Ouais, le shop. Le marchand m'a assuré qu'avec sa bille, je pourrais avoir loin. Loin dans le temps, loin dans l'espace. Et hop, il m'a assuré que c'était un œil de tigre. L'œil en Alors j'en ai pris plusieurs, des billes, histoire de voir, de m'amuser, comme si j'avais 10 ans. Puis, j'ai supposé l'utilisation d'une formule, sans savoir tout de suite laquelle. Avec celle-ci, je me retrouverai sur un cours d'eau, mais il faut retrouver la bonne formule. Petit œil de tigre, où me mèneras-tu? Petit tigre, où me mèneras-tu? Avec celle-là, la bille, je me retrouverai dans un engin de guerre, à savoir lequel, peut-être dans une région asiatique. Avec cet autre-là, j'oserai embrigader, 100 ans en arrière, pardonne-moi l'ambiance. Ici, on s'accuse, on sort les griffes. Et oh, Clémence, oh, attention à ce qu'on invoque. Avec cet autre-là, tiens, non, ce n'est pas un œil de tigre, je ne crois pas, c'est un point bleu. On se retrouve là à la manifestation, plus trop apportée comme des hippies, mais il y a un individu déguisé en tigre qui se porte volontiers, volontaire, oui, pour distribuer des câlins. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'en ai un, par procuration. Et oui, de temps en temps, on a besoin d'un montant, hein, comme un câlin donné par un tigre. Puis on continue notre chemin. Les messages passent bien, bien mieux quand on n'est pas comme des murs. Le message était prêt à le recevoir. Ce qui est demandé, revendiqué à cette manifestation par la fondation et ceux qui la soutiennent, ce sont les droits fondamentaux. Un air sain, une eau potable. L'état des lieux n'est pas rassurant. Mais j'ai espoir. On a beau faire exactement comme des tigres, quand on s'est rencontrés, mais on est reparti chacun de notre côté, revivifié, revigoré, plein d'élan. Il y a des fois des gens qu'on n'a pas trop envie de voir, ni trop de sentir, mais cette fois-ci, c'était des gens, des rencontres avec du cœur. Pardonne-moi d'eux. Du cœur pour se battre aussi, car il en faut, n'est-ce pas? Des fois, on a un petit gros. Et des fois, on arrive à sortir, même sortir trois très gros, gras, grands dragons. Gris, grattant, dégradé, ou sur les gradins. Et là, avec toute la rage au ventre, sans oublier que, sans que le moteur s'enraye en rayure, on bondit. C'est bondi. T'as rien vu, rien entendu? Mon œil. Si, sur ce, je range mon sac. En effet, avec ces billes, on voit loin. C'est même dangereux quand on voit loin, quand on voit bien. La bille ne fait pas le moindre chose. La récré est finie. Merci.